Bonjour, c'est Domi, jour 85 de mon défi des 100 jours. À ma dernière vidéo, j'ai fait appel à vous pour gagner un concours. Et c'était un concours vraiment très important pour moi et j'ai gagné ma place à ce mastermind avec les plus grands experts de la liberté financière et je suis heureuse. Mais c'était vraiment très important pour moi parce que en fait, il vient concrétiser ma première formation et ça montre que je suis un bon élève. Et gagner ce concours, quelque part, ça valide ma première grosse formation. Donc, c'est ça, en quelque sorte, c'est un peu ce que je comprends de cette victoire. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner ce concours? Eh bien, tout simplement, j'ai appliqué tout ce que j'avais appris, tout ce qui m'avait été enseigné. Qu'est-ce que je vais vous dire? En fait, quelque part, je n'ai pas compris tout de suite comment m'y prendre à ce concours. Je suis vraiment aux prémices de mon éducation, donc j'ai beaucoup à apprendre. Mais je me suis souvenue d'une phrase que Nathalie Cariou nous avait dit il y a quelques temps, que lorsque on se trouve le plus petit à la table des plus grands, eh bien, on deviendra comme eux, on deviendra ce qu'ils sont. Et cette phrase, elle a vraiment, vraiment fait résonance en moi et je recherche le contact donc des personnes qui me font grandir. Alors, lorsque j'ai fait donc ma vidéo pour participer à ce concours, je n'avais vraiment pas réfléchi vraiment à tout ça. Mais quand je me suis impliquée dans ce jeu, eh bien, je suis au début sentie vraiment déstabilisée. J'ai vraiment eu des choses qui se sont passées à l'intérieur de moi. Dès le premier jour, ça m'a renvoyée à plein de choses. Et j'ai de suite pensé à la loi d'attraction ou plutôt à la loi d'intention puisque je fais les défis des 100 jours. Alors pourquoi pas appliquer ce que j'apprends? Et là, c'était vraiment un exercice concret. J'ai donc émis l'intention de gagner ce concours. Je l'ai même dit à Nathalie d'ailleurs. À un moment, je l'avais par Facebook en direct et je lui ai dit « j'ai l'intention de gagner ce concours ». Elle m'a dit « waouh, super !» Et quand j'ai eu cette intention de gagner le concours, j'ai regardé les dates du voyage et j'ai immédiatement annulé mes congés de septembre parce que sinon j'aurais plus eu de congés au cas où je gagne ce concours. Donc j'ai annulé mes congés de septembre sur mon planning et j'ai posé dans le cadre de mon travail la semaine du 24 au 30 octobre. J'ai validé ça sur le logiciel des congés. J'ai noté donc sur mon calendrier professionnel et sur mon calendrier à la maison cette date bloquée. J'ai marqué dessus Maroc, même sur le calendrier de mon travail, pour montrer que quoi qu'il y ait, je ne serai pas en France. Donc les congés, il faudra me les accorder. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi vérifié la validité de mon passeport. Et comme il était périmé, la date de péremption était en juin 2016, donc je me suis dépêchée d'acheter mon timbre fiscal. Et j'ai beaucoup travaillé sur toutes mes émotions. Vraiment, je peux dire que j'en ai nettoyé, mais alors, j'en ai nettoyé à ce niveau argent, croyance sur moi, ma valeur et tout ça. J'ai vraiment ouvert ma boîte à outils et j'ai utilisé tout ce qui s'y trouvait. J'ai eu des synchronicités aussi formidables parce que j'avais la formation en même temps, les 30 jours ou le 21 jours. Non, ça doit être 30 vidéos que David Laroche nous offre. Et j'étais dans ce laps de 30 jours et tous les jours j'écoutais une vidéo et on aurait dit que David Laroche me parlait.
J'ai aussi la synchronicité avec l'atelier EFT sur l'argent et l'affectivité. C'est-à-dire que j'ai passé 4 séances avec d'autres personnes avec qui on a parlé de l'argent, des croyances et tout ça. Et Claude, qui est la formatrice hein, de ces ateliers, j'ai pu avoir un échange avec elle sur les croyances. C'est devenu une synchronicité parce que ça n'avait rien à voir avec ce concours. C'était vraiment en parallèle, mais ça a vraiment contribué à ma réussite aussi. Pratiquement tous les soirs, j'ai fait une méditation de Joe Dispenza, elle dure 1h20, et tous les soirs, j'ai fait cette méditation pour rompre avec moi-même, avec mes croyances. J'ai utilisé aussi beaucoup le pouvoir de l'intention, de l'attraction, mais sans sortie de zone de confort, eh ben, on stagne, quoi. J'ai donc fait des sorties de zone de confort vraiment à tour de bras. Et ça remue, ça remue, ça remue. Ça fait peur, et ça effraie beaucoup. J'ai eu des moments, ils ont été très, très difficiles avec moi-même, quoi. Et aussi, sans passage à l'action, il ne se passe rien, évidemment. Donc, je suis passée à l'action, j'ai osé demander de l'aide à 2 personnes qui m'ont beaucoup aidée, à Nicolas et Maria. Ils m'ont donné des ingrédients précis à utiliser et ça a été vraiment le coup de baguette magique. Ils m'ont donné, on aurait dit qu'ils me donnaient l'ingrédient, la petite partie qu'il fallait en plus que je n'avais pas, ils me l'ont donné. Et vraiment, j'ai une reconnaissance énorme envers eux parce qu'ils font partie de vraiment ma réussite. C'est vraiment bien ce qu'ils m'ont apporté. Plusieurs fois, j'ai perdu pied, alors j'ai utilisé Ho'oponopono en boucle. J'ai usé la méditation en cours de journée, j'ai fait aussi beaucoup de lâcher prise. J'ai pris conscience que le lâcher prise, c'était vraiment important. Alors, quand est-ce que je lâchais prise? Eh bien, quand mon mental ou mon ego ruminait. Quand ça arrive en boucle comme ça, eh bien, stop, lâcher prise. En fait, la clé de la réussite de tout projet que l'on veut qu'il réussisse, c'est qu'à chaque fois que notre mental, notre ego rumine ou vient nous saboter, il faut le stopper. En fait, il faut stopper, il faut lui injecter des affirmations positives, être en accord avec nous-mêmes, être en toute conscience de réussite, de croyance en soi. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Ces affirmations positives, elles ont été une des clés de ma réussite, hein, parce que j'ai cru en moi, j'ai une certitude, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, j'ai une certitude en moi que je gagnerais, que j'étais sur le chemin de la victoire. J'ai fait beaucoup d'activités sportives, comme je fais tous les soirs. Elles m'ont vraiment super aidée à garder le contact avec des personnes positives, des personnes qui me motivaient, qui me boostaient. J'ai ressenti une énergie extraordinaire, débordante, en dansant, en me lâchant complètement. Et ces moments où on se lâche, c'est là où les bonnes idées, elles arrivent après. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quand j'avais pour mon concours, hein, pour ce concours, quand je voyais que j'avais un grand écart de like avec la troisième personne, parce qu'il y avait 2 voyages à gagner, donc la première et la deuxième personne étaient gagnantes, donc je me disais, ça y est, t'as mis tout en place, lâche prise, oublie ce concours. Si tu gagnes, c'est parfait. Si tu ne gagnes pas, c'est parfait. Et je lâchais complètement prise, de telle sorte que j'étais remplie de joie, j'avais confiance. Et pas une minute ne se passait que, hop, une idée géniale évidemment, qui arrivait, qui me relançait. J'ai entendu comme des petites voix, bien calmes, mais fermes, qui me relançaient, alors du style, et Domi, t'as encore à faire mieux,
tu peux faire mieux. Et un schéma précis me venait à l'esprit. J'avais, tout simplement, j'avais plus qu'à appliquer. Car je l'ai vécu ça jusqu'au dimanche midi. Vraiment toute la demi-journée, je me disais, ça y est, j'ai tout fait, je lâche. Et boum, cette petite voix qui disait, non, Dominique, t'as pas tout fait, elle recommence. Et franchement, je l'ai fait ça m'a fait ce genre de petites choses là jusqu'à 21h. Et puis à 21h, le dimanche soir, j'ai coupé tout réseau. Aussi bien le téléphone que Facebook, que tout ça. J'ai coupé et je me suis couchée en toute sérénité. J'étais bien. Et le matin, 5h30, donc je suis allée voir les résultats des votes. Donc moi, il y en a qui ont voté pour moi jusqu'à très très tard. Nathalie disait qu'il y en a qui ont voté jusqu'à minuit, mais je me demande, ce n'est pas des personnes de mon entourage qui ont voté. Et j'étais heureuse parce que le système que j'avais mis en place travailler pour moi pendant que je dormais. Donc, c'est bien ce qu'on apprend par la formation, hein, richesse et liberté. Et c'est ça, que l'argent travaille pour nous quand on dort. Donc là, j'ai lancé une stratégie, un système, et il a travaillé pour moi pendant que je dormais. Et moi, j'étais dans le repos total. Et voilà, je voulais vous expliquer comment j'avais gagné et comment j'étais la plus heureuse quand Nathalie a annoncé les gagnantes, même si elle a rajouté qu'il y avait des sur YouTube qu'elle reprenait les lives de YouTube. Et ben quand elle l'a dit, ça m'a même pas, j'ai même pas eu d'émotion. Ça s'est coulé. J'ai écouté les résultats et j'étais dans la rue et j'ai failli crier tout fort dans la rue. Je crois que j'ai crié. Je me suis dit waouh, j'ai gagné. Et donc je peux conclure là-dessus, c'est que j'ai été créatrice de ma victoire. Je suis créatrice de mon destin. Et j'ai tout en moi. Je sais que c'est pas facile. Parce qu'il faut passer à l'action, il faut aller au-delà, il faut puiser en soi des ressources qui sont profondes. Mais tout est en nous et tout est en moi pour que je puisse vivre la vie de mes rêves. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse et surtout je vous dis merci pour tous les likes que vous avez donnés. Vous avez contribué à ma victoire et je vous aime. Je vous aime et je vous dis merci. À très bientôt.